Comment ça va ce matin, mon bébé? Très très bien. Où est-ce qu'on va là? Ouais, trop cool. Qu'est-ce que tu racontes? Et c'est quelqu'un qui... Les coucou tout le monde, c'est le matin, on a des têtes de matin. Des têtes de matin. Tu dis bonjour? Mais c'est quoi cette tête là de coquinette? Tu me fais un bisou? Fais-moi un bisou. Un pack de bisous. Oui, ça va, tout le monde est de bonne humeur là. Laura, elle m'a réveillée à genre... Maman, tu m'as fait mal. Je t'ai fait mal de bisous? Non. Oh, je suis désolée, mon amour. Allez, c'est parti. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? Comment ça va les pandas? Moi je suis contente. Bon, je vais éteindre la télé parce que j'ai laissé allumer depuis ce matin, ça ne servait à rien. Hop. Là, j'ai fini plus ou moins de bosser sur une vidéo qui me tient à cœur. C'est le fameux projet un peu top secret. C'est pas qu'il est top secret, c'est qu'il est sous embargo jusqu'à dimanche soir. Donc je pense que je suis certaine de vous la mettre en ligne dimanche soir même. Si là elle est validée, c'est bon. Oui, parce qu'elle est soumise à validation, on peut pas dire n'importe quoi sur le sujet. Si elle est validée, c'est bon. Et puis j'ai plein d'idées là qui me viennent en tête et c'est juste terrible parce que je peux pas tout faire toute seule. Je peux pas tout faire toute seule. Il faut vraiment que je demande de l'aide à un moment donné. Bref. Voilà, je range un petit peu. Il y a Max qui va pas tarder pour le cours de sport et je pense qu'on va y aller mollo, qu'on va y aller doucement. Mais bon, je sais que c'est important, il faut que je le fasse. C'est important, il faut le faire toutes les semaines. Clairement, c'est important, c'est très important. Tu vas me faire mal encore aujourd'hui? Je vais me blesser. Voilà, exactement. Non, mais on va faire ça. Bon, vous voyez, Max est arrivé. Je suis quand même assez bien réveillée, j'ai bien bossé. On va faire ça intelligemment, je pense. On va faire doucement aujourd'hui. C'est ça qui m'a fait mal. C'est ça, le TRX. Et voilà, je sais pas si je vous ai dit que le cours de sport s'était bien passé, je sais plus ce que je vous ai dit. Là je suis en train de me préparer à manger, je me refais un burger comme hier parce qu'il me reste de la viande, il me reste des frites de pommes de terre et de courgettes, Papa Loïs est dans la douche. Il y aura fini qu'à 15h45, j'ai des trucs à tourner. Donc en fait je mange, je vais dans la douche, je tourne et après soit Loïs est rentré à temps pour aller chercher Ellie, soit c'est moi qui vais. Mais du coup il faut que je prépare mes scènes pour la vidéo qui sort vendredi sur la chaîne Les Mamans. Ça va être génial. Je pense que ça va être trop drôle. Et évidemment on prend en compte tous vos commentaires, c'est très important pour nous. Là il faut que je prépare mon petit steak haché, c'est parti. Hello les pandas. Oui maman est coiffée et maquillée. Et puis je vais baisser la luminosité aussi là parce qu'on va croire qu'il fait un soleil de ouf, mais pas du tout. En fait j'étais en train de tourner les scènes pour la vidéo qui sort demain, donc quand vous verrez, elle sortira le jour où sort ce vlog, à 19h sur notre chaîne Les Mamans. Donc maintenant je vais m'attaquer au montage. Laure m'a normalement envoyé toutes ces scènes. Maintenant il faut monter ça. 15h30, c'est l'heure d'aller chercher Ellie, sauf que évidemment j'ai un début de migraine. Bon ça va, elle aura fait la sieste, elle sera reposée ou pas. Ou pas les amis, ou pas. Est-ce que c'est too much pour aller chercher ma fille à l'école sur rouge à lèvres? Je ne sais pas. Et genre c'est pas que je m'en fous, mais c'est trop tard maintenant. C'est l'heure d'y aller. Au pire je me fais remarquer. Genre la maman qui se fait déjà pas assez remarquer. Ça c'était un truc à l'école, à chaque fois, même quand j'étais étudiante, que je voulais pas me faire remarquer, vous pouviez être certaine que je me faisais remarquer. Bref,
Let's go, on va chercher le bébé. Alors c'était comment l'école? Tu veux défaire la veste, c'est ça? T'as chaud? Oui. La jolie veste. Allez, let's go. On va prendre le goûter. Je suis un petit peu perturbée parce que j'ai la directrice et la maîtresse qui veulent nous voir. Et je sais pas pourquoi. Alors ça se trouve c'est rien du tout. Ça se trouve c'est important. Je ne sais pas et ça me stresse à fond. Et Liora, tu t'installes à ton bureau pour manger? Attends, on va mettre la nappe bien. Elle est pas bien mise là, la nappe. Pourquoi? Bah parce que là elle est bien mise. Bon appétit mon amour. Bon appétit. Moi j'ai essayé de joindre l'école pour avoir la raison de la convocation mais ils ne répondent pas. Alors je verrai demain matin. J'irai peut-être la voir demain matin. On va voir si j'arrive à la voir. J'y crois pas trop mais bon. On ne sait jamais. Ça me stresse en fait, je suis sûre que c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout. Parce que je sais pas. Mettez-moi en commentaire si normalement ils sont censés mettre le pourquoi du comment là. Elle me dit pas pourquoi elle veut me voir. J'ai demandé à Eliora, elle me dit rien. T'as pas fait de bêtises, Ellie? Tu t'es pas battue avec un autre enfant? Eliora, tu t'es battue? Non. Y a un enfant qui t'a tapé? Qu'est-ce que tu fais? Titi. Oui, Titi. Tu veux faire des photos, c'est ça? C'est ça. Et pourquoi faire? Tu fais. Pourquoi faire les photos? Titi. Pour faire oui, Titi. Tu fais bien, oui, Titi, mon amour. Titi. Le bouteille. Bon, l'école répond toujours pas. Toute floue. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une pomme de terre à cuire pour faire une purée mélangée avec le poisson et après faire comme des petites galettes. Qu'est-ce qu'il y a mon amour? Tu veux qu'on se mette dans le lit de maman? Ouais. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on va faire dans le lit de maman? On va dormir? Regarde, il y a un bébé là sur le canapé. Viens voir. Il y a un petit bébé sur le canapé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que maman elle a tourné une vidéo avec tout à l'heure. Ah, c'est à qui? Bah c'est à toi. Ah ouais? Bah oui. Oh, il fait caca. Oh là là, va vite chercher pour le changer. Va vite chercher. C'est ça, il veut ça. Quelque chose de ça et ça et ça. Je suis pas sûre que les crayons ce soit très utile pour changer le bébé chéri. Il faudrait plutôt une coucouche et tout ça. D'accord. Et des vêtements, c'est tout dans ta chambre. Tout ça, merci. Ce que je vous disais, c'est juste que j'ai mis une pomme de terre à cuire dans de l'eau pour en fait après faire un écrasé de pommes de terre avec du poisson et les mettre en galettes. Je sais pas s'il me reste du fromage, s'il me reste du fromage j'en mettrai mais je crois pas qu'il me reste du fromage. Mais en gros, voilà. Je vais faire ça et des écrasés de pommes de terre avec du poisson et elle va manger ça ce soir. Ce sera très très bien. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, là je suis quasiment en larmes, je vous remets à couler l'eau. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais je viens de m'ébouillanter avec la casserole d'eau. En fait, elle était en train de bouillir et je l'ai prise et j'ai voulu nettoyer l'eau qui avait coulé et je l'ai soulevée. Je voulais nettoyer sous la casserole en fait, je sais pas ce qui m'a pris. Je voulais passer un coup sur la casserole pour que ça arrête de sauter sur la plaque et en fait bah du coup ça l'eau m'est tombée sur le poignet. Donc là je sais pas si on voit mais je suis en train de mettre de l'eau froide. J'ai ma mère qui arrive du coup pour qu'elle regarde. Enfin j'espère que c'est pas grave, ça fait genre super mal. Mais ça fait méga mal. Pas sur le moment en fait, tout de suite j'ai pris mon bras, je l'ai mis dans un... J'ai pris mon poignet, là j'ai mis dans un torchon tout de suite parce que je me dis putain ça va faire mal. Je me suis dit ça va faire mal. Et en fait ça met quelques secondes à venir la douleur et c'est méga douloureux. J'ai juste envie de cloquer de partout. J'espère que c'est pas trop grave. C'est ma maman qui est venue me soigner, mais elle doit repartir pour aller voir mon papa. Tu veux pas dire bonjour? Bonjour tout le monde. En plus elle est super bien maquillée aujourd'hui, je sais pas si vous allez voir. Trop bien maquillée mamie. Bon, elle s'en va, ça y est, elle s'en va. Et elle m'a fait un gros pansement. Mais je suis toute cloquée et tout, ça fait trop mal.
c'est mamie qui a pris le cadeau. C'est Émilie qui te fait le cadeau. Merci beaucoup Émilie, ça me touche beaucoup. Bah tu me diras ce que c'est, hein. Oui. Je vais la porter à papy. Ouais. Et il y aura, elle veut pas que mamie elle s'en aille. Comment on fait, chérie? Mamie, faut qu'elle aille voir papy. Papy est triste. Papy est triste, hein, mamie. Il attend mamie. Il m'attend. D'accord? Ah, merci, mon trésor. Fais-moi un petit bisou. Elle veut plus me faire de bisous. Elle veut plus me faire de bisous, ce bébé, là. Qu'est-ce que tu fais? On va au dodo? Tu te dis bonne nuit? Et voilà, ma poupée fait dodo. J'ai galéré à l'endormir. Et maintenant, en vrai, il faudrait que je mange. Mais j'ai la flemme de me faire un truc, quoi. Grave, la flemme. Donc, je sais pas. Je sais pas si je vais manger vraiment. J'ai trop la flemme, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Enfin, Papa Loïs était censé revenir et il n'est jamais revenu de son rendez-vous. Donc il m'a dit, je te rappelle dans une demi-heure, il y a une heure à peu près. Voilà. Voilà, 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 voilà. Bon, je vais quand même me préparer un truc, je te fais à dîner. Pour les pandas, Papa Loïs n'est pas encore rentré. Il avait un dîner finalement. Donc moi, ce que je vais faire déjà, c'est que vous avez pu me voir parce que je vais aller dans le noir. Hop. Je suis dans le noir, lâchez du crack. Et je vais aller simplement me coucher. Enfin, je vais me mettre dans le lit avec une série. En attendant, il est déjà 22h30, je suis claquée. Donc je vais même pas chercher à comprendre. Je vais rester simplement dans mon lit, voilà. Et demain matin, je monterai le vlog. Donc je vais clôturer le vlog comme ça. J'espère que cette petite journée avec nous vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain. J'espère que cette journée avec nous t'a plu. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné, sache que c'est entièrement gratuit et il suffit de cliquer juste là sur ma tête, ça va me faire grave plaisir. Je te le cache pas, ça me fait toujours plaisir quand on s'abonne. Également, je te mets une vidéo que tu n'as peut-être pas vue, hein, on ne sait jamais. N'hésite pas à mettre un commentaire et un petit pouce bleu si tu es content ou même si tu n'es pas content. Et je te fais des bisous, bye bye.